Move. Je sais pas si t'as vu, mais le MMA pourrait être autorisé en France. Alors que pour l'instant, il est toujours interdit en compétition et juste toléré pour les amateurs. Mais la ministre des Sports, Laura Flessel, veut changer les choses. Des annonces devraient être faites d'ici au mois d'octobre. On parle même de la possible création d'une fédération des Mixed Martial Arts, des arts martiaux mixtes. Pardon, vous parlez bien de MMA? C'est Boris, j'ai un blog! Oh non, pas la vanne 0 tracas 0 blabla. Hein. Non, mais le MMA, c'est aussi une chanson. MMA. J'aime l'humour! Et je suis mélomane! Je suis mélo-MMAN! Ah! Je suis en feu! Je sais pas si t'as vu, mais GTA V est devenu le produit culturel le plus rentable de l'histoire. Le jeu légendaire sorti en 2013 a rapporté 6 milliards de dollars. Record absolu. Avant, c'est GTA le jeu le plus vendu au monde? Non, c'est seulement le troisième. Devant, il y a Tetris et Minecraft. GTA, c'est celui qui a rapporté le plus d'argent. Mais c'est quoi le deuxième truc culturel le plus rentable alors? C'est Avatar, le film. 3 milliards. Mais c'est pas un jeu vidéo. Mais non, mais là, on parle de produits culturels. Donc film, jeu, livre, tout confondu. Il y a un livre GTA? Mais non! Mais t'es con, tu fais exprès! Je suis con. Je sais pas si t'as vu, Joestar a porté plainte contre Sébastien Farran. C'est son ancien manager. Joestar l'accuse de lui avoir volé de l'argent pendant 10 ans. Évidemment, Farran dit que c'est pas vrai. Mais hier, il a été placé en garde à vue. Et c'est pas fini. Parce que Sébastien Farran, avant, il était aussi manager de Johnny. Et depuis aujourd'hui, il y a des rumeurs de relations entre lui et Laetitia Hallyday. 14 lettres. Journée de merde. Pas impossible que là, il chie un peu. Ouf. Tu es connecté sur Move.